Je suis en train de voir que apparemment il n'y a plus de changement d'heure ici. Il n'y a plus de changement d'heure. Donc j'aurai toujours 8 heures de décalage avec la France. Ah c'est pas cool ça. Bah ouais, il y a des pays qui changent plus d'heure. Et apparemment le bah, Mexique, il n'y a plus de changement d'heure. J'entends des bruits, mais je sais pas si c'est les bruits de la toile ou si c'est... Fantôme. Alors ça... Alors moi je crois qu'il y a encore un gars là. Ah, il s'est barré avec la bagnole. Je crois. Ok. Donc du coup apparemment il y aura plus de changement d'heure. La France devait arrêter aussi. Ouais, mais j'avais entendu ça, qu'ils voulaient arrêter les changements d'heure, tu vois. Quoi ? Bon, le chute était pas terrible, mais l'arme non plus. Hein. Mais apparemment, c'est pas tout le Mexique. Il y a certains états du Mexique où il n'y a pas le changement d'heure. Et normalement, le changement d'heure, c'est le deuxième week-end de mars. Donc le 12. Mais là, apparemment, bah... Pas tout le monde. Ah, si c'est ça, ça va changer pas mal de choses parce que forcément, moi dans mes horaires et organisations, je prends en compte automatiquement le changement d'heure. Quoi. Là, ça aurait été 6 heures de décalage. Ah, ça aurait été mieux pour moi, mais 8 heures, c'est pas le mieux. Hein. La merde, lui. Quoi ? Ah ouais. Pas compris, hein, par contre. Chance, on n'est pas tombé sur le meilleur shoot du Far West. Hein. Ça n'a pas été fait le sous-sol, je pense qu'on peut y aller. Vu qu'on a déjà fait le goulag, avec un peu de chance, on trouve un jeton de goulag là-dedans. Là, on est bien.
Et du coup, j'ai vu qu'apparemment, il y a des états où il n'y a plus. Ah, bien wesh. Ah, putain, bien wesh. Bon, ça sert à rien d'y aller, lui va prendre mon stuff. Et en vrai, vu que j'ai de la thune, autant aller prendre une petite caisse tout de suite. Oh merde. Pas une arme. Il m'a vu, c'est sûr. L'équipe ennemie vous a dans son station. Un largage d'équipement est en route. Putain, le mec, il m'a même pas vu en fait. Je suis arrivé, mais non, il devait être occupé par quelque chose d'autre. Ah, attends. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Envoyez une frappe aérienne sur ma cible. Ici Phoenix 3, indiqué. S'il a l'air d'avoir une bonne vue. Bon, jusqu'ici ça va ? Pas le risque, hein. Ce sera le problème de quelqu'un d'autre lui.
Parce que là, tu vas le finir, lui, et tu meurs. Y'a le gars dans le bâtiment. Putain, s'il y a un gars là, il a la zone de ouf. Hein. Drone ennemi actif. Hey, on est que 3, t'as vu la taille de la zone? Quoi? T'es sérieux? Ah, il m'avait vu. Hein. Ah, c'est ce fils de pute. Regarde, ça, c'est vraiment des sacs à merde. TTV à 2 balles, là. 4e kill de la game, franchement. Connard. Vas-y, crève, espèce de grosse merde, voilà. Connard de merde, va. Quoi? Cette distance à l'XM4? T'es sérieux?